Bienvenue dans l'épisode 62 du Binding of Isaac Afterbirth. Du coup, je me suis posé la question de savoir quand est-ce que ce genre de bêtises allait s'arrêter. Eh ben écoutez, je sais pas. Eden, hard mode. On commence avec Daski, car batterie, qui est absolument inutile pour le coup. On avait Eden's Blessing dans le run précédent, donc on a aussi Bomber Boy, ou un truc comme ça. Deux cœurs gris comme seule source de survie. Et des dégâts pas fantastiques. Ainsi qu'une cadence de tir un peu supérieure à la normale. Et puis c'est tout! Ouais. Pas grand chose à dire sur ce début de run, on a une coiffure assez hirsute. Datski veut dire qu'on peut rentrer dans nos salles gratuitement. Voilà. On a plein de bombes. J'avoue qu'avoir The Bean dans la première salle n'est pas vraiment le début de run tonitruant que j'attendais. C'est-à-dire que là, c'est un peu de la merde en fait. Olé. Bon écoutez, hein. Ça ira mieux à l'étage suivant. On a des super bombes paraît-il, sauf que je peux pas les poser parce que lui va se téléporter toujours très loin de là où elles vont être, je suis sûr. Oh, il en fait 5 maintenant. Hop là, téléportation. Bon, il est bientôt mort de toute façon. Il est mort. Enfin, combien il nous faut de coups pour... Oh, bien le halo. Est-ce qu'on va avoir notre... Le halo pour le coup c'est bien. All stats up. Allez je prends. Ouais, on fait un peu plus mal. On a de la vie aussi. Point notable. C'est mieux que de pas en avoir. Hein. Oh oh. Et avec Art Battery, Datski ouvrira les portes deux fois plus. Ok. Alors il faut savoir que du coup Datski ça peut être bien pour aller affronter Mega Satan. Mais... Pourquoi je ferais ça? Soyons clairs, Mega Satan si on est super puissant, c'est rigolo. Mais ça sert à rien. C'est-à-dire concrètement, c'est juste pour abréger un run à ce stade. Donc si on trouve un autre item actif que Datski... Avec Carbattery, si l'item a une super synergie, genre Guppy's Head, Tammy's Head, enfin toutes les têtes en général et d'autres trucs, et ben on le prendra. Olé. Parce qu'en gros là, un item actif qui se déclenche deux fois, c'est assez rare. Ce serait bête de pas en profiter. Donc ouais je disais, quand est-ce que ces runs vont s'arrêter? Déjà pour l'instant, on va aller jusqu'à... Yeah. On va aller jusqu'à avoir... Fantastique. Ça vaut pas vraiment le coup de remplacer Datski par Bukowski. Eh, quoique non. Allez. Donc j'ai dit, on va déjà continuer tant que la streak continue. Ce qui va peut-être pas durer vu la tronche du renne. Sérieusement, je ne rigole pas, on est dans la merde. On a eu The Leash. Et... The Bean. Vous en voulez encore? Alors, et ouais. Ce n'est pas un crawl space.
On va garder Yara. Je sais pas trop pour quelle occasion, mais... Ça aurait été des coffres rouges, je les aurais dupliqués avec Yara. Mais ça n'était pas. Eh, on fait mal avec la liche qui a l'air de faire plus mal que nos larmes. Mais bon. Alors là, le jeu, c'est de la faire aggro. Ouais, super, à chaque fois il saute. C'est de faire que la liche aggro le mob. Et qu'il s'arrête de sauter et... Oh, bordel. Et de tirer au hasard et me toucher au hasard. Mais arrête de sauter, bordel! Voilà. Oh putain. C'est quoi? Vas-y, saute, saute. Non mais oh. Quand il m'a fait de dégâts en plus, 3 coups quoi? Je vais porter plainte. Bon. J'entends des gens gueuler dehors, j'espère que ça s'entendra pas dans le micro. De l'argent. L'argent. La salle secrète, je l'avais déjà, mais ça fait plaisir. J'allais dire, ce serait bien de trouver. Oh là 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 là. J'allais dire, ce serait bien de trouver le magasin. Maintenant, ce serait bien de pas mourir. Et aussi de pas se prendre de dégâts sur les corps rouges. Parfait. J'ai pas vraiment envie d'aller là, mais je vais y aller quand même. Ouh, j'avais pas envie d'y aller. La liche est en train de faire un carnage. J'ai vraiment laissé un pour dire hey, regarde, fais quelque chose. Mais là, elle s'est démerdée, mais toute seule quoi. Alors, magasin et salle. First room. First room dans laquelle on n'entrera pas. Parce que faut pas déconner non plus. Tire détonateur avec la carbatterie. Ouais. J'aime assez. Alors oui, je donne tous mes sous parce que... Parce que... Donc la curse room avec un seul cœur. Vous comprendrez aisément que je ne peux pas me le permettre. On va choisir, j'aurais dû garder tir des tonnes pour un endroit où j'avais de l'utilité. À m'en servir. Meurs, meurs, meurs. J'ai plus de bombes. Oh, cette haine. Oulala. Là là. Je vous promets, je mens pas, ça s'est synchronisé. Quand je suis entré dans la salle, j'ai mon casque qui a fait BEEP. Et quand il a plus de batterie. C'est... Ça m'a un peu perturbé sur le coup, je vous avoue. Du coup, je vais le brancher, mais... Je vais pas dire que ça m'a coûté le deal with the devil parce que honnêtement, deux monstres dans une petite salle, c'était pas gagné d'avance. Mais bon. Cela dit, maintenant on peut aller dans la curse room parce que. Alors, on craint plus rien quoi. Super. Y'a plein de batteries, hein, ça va. C'est pas comme si j'allais en chercher une, mais... Donc pas de bombe, tant pis. Le Tinted Rock attendra. Ça me fait un peu de la peine. Que voulez-vous, il faut des fois savoir les laisser s'échapper et grandir. Oh là là. Oh là 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 là. Personne ne bouge.
je sais pas comment ça s'est passé que... Jusque là tout va bien, mais... J'aimerais qu'il y en ait au moins une qui meurt, quoi. Une autre? En fait, il faudrait qu'elle meure toutes, hein, concrètement. C'est un peu l'objectif ultime, mais... Voilà. Et la non-explosive. Parfait. Qui était tout à fait explosive au passage. Ok, si je veux sauver mon deal, Wiss des îles, je dois plus me faire toucher jusqu'à ce que j'ai des cœurs gris. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, quoi? Non, c'est pas un run fantastique au niveau item, hein. Là, j'avoue, c'est un peu de la merde. Tire détonateur sauve un peu le truc, mais un peu, quoi. C'est quand même pas le meilleur item du jeu, faut pas déconner. Encore que là, ça se débrouille. Si j'avais un tier up quelque part, ce serait monstrueux. Eh, hey, y'a moyen de gérer proprement, en fait. J'ai vu un endroit où une bombe serait plus utile. Parce que plus d'argent. Et l'argent, c'est bien, ça permet d'acheter des choses. Alors, tir détonateur avec la carte batterie, j'avoue, c'est efficace. Pas de bombe, bah. On va trouver une bombe, vous allez voir. Comme j'ai du bois, de ne pas me faire toucher, hein. Vous savez quoi? Venez. Viens, viens, charge. Parfait. Il est tellement con ce mode. Ouais, du feu! Pourrons un autre perte! Toi, t'as bien de la chance que j'ai pas de bombe. Ok, je me suis trompé, mais alors trompé de bouton, vous imaginez pas à quel point. Yara, c'est pas vraiment dans le vide que je vais m'en servir. Mais bon. Apparemment, si. C'est ce que le jeu a décidé. On va prendre la bombe quand même. On peut... Ah non, je viens de donner tout mon... Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et malgré tout, je m'en sors, ce qui est assez bizarre. Bon, c'est les premiers étages, hein. Je suis à Cave Zone. C'est pas non plus le challenge, quoi. Même pas peur. Ok. Ouh, y'a de la ville, Coco, là. Coco Lastico, comme on l'appelle. Je vais chercher le truc avec la bombe. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est con de pas le prendre, j'ai rien d'autre. C'était quoi que je voulais utiliser avec ma bombe? Le coffre jaune. Fantastique. Une clé tout entière pour moi tout seul, oh, il fallait pas. Non, vraiment. Partez vite, loin. J'étais un peu concentré par ma stratégie, j'ai pas vu qu'il avait tiré. Ce qui est bizarre, parce qu'il met très longtemps à tirer d'ailleurs. Mais... Échec. Le deal with the... Ah, deux fois, le creep, quoi. C'est le creep qui m'a touché, non mais... Je refuse que ce... Cette série de victoires s'arrête comme ça. Pas à 3. Je vais monter au moins à 4. D'ailleurs c'est à 2 là, c'est pas 3. Voilà. C'est quoi ces HP? HP up, HP up. Lige. Le bean.
Y a que le Halo qui est bien, mais c'est tout seul, il va vite montrer ses limites. Hein. Ouch. Bon ben. J'espère sincèrement que j'avais un demi-cœur gris qui traînait. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai déjà perdu mes chances d'avoir un deal. Olé. Olé le spawner, olé le spawned. Ah, j'avoue, c'est... Tir détonator, c'est un item qui mérite de pratiquer un peu. Tuer ça parce que je me suis trop souvent fait toucher par des trucs. Allez. Allez. Non, c'est un run très mou. Très 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 mou. Mais qui est encore sauvable. Ne me demandez pas comment, hein. Moi je ne fais que suivre le flow du jeu. Moi je réagis aux entrées là, je suis un programme. C'est le jeu, l'entité vivante là, qu'il faut interroger. Alors le jeu, que penses-tu de cette partie? Peut-on encore sauver les meubles? Eh bien mon ami, il semblerait que les meubles soient sauvés, yeah! Mais enfin, le jeu, n'est-ce pas un peu prématuré? Nous venons à peine d'écraser une salle de 4 mouches, quoi. Oui! Écraser les mouches! Ouais, je suis fou, hein, je parle à vous. Si vous vous posez la question. Je suis tellement fou que je vais faire une autre parodie de Five Nights at Freddy's, quoi. Parce que cet homme est fou. Je vous jure, je vais le faire. Hein. C'est dans les cartons. Hein. Ce qui est très bizarre pour un programme informatique. Mais... Qui suis-je pour juger? Ah, c'était à moi ça. J'avais pas reconnu ma petite liche. Ma lichounette. Ma lichounette qui va attaquer. Et tuer. Voilà. Oh, parasite. Bon, ça. Ouh, parasite avec tir détonator. Je me demande si ça fait ce que je crois que ça fait. Eh ben, on va voir. Des ennemis. Ouais, ça en fout partout. C'est globalement ce que je pensais que ça ferait. Ouch! Au revoir, le deal with the devil. Fantastique. Je dois être à quoi? Une salle du boss en plus? Je le perds à chaque fois, une salle du boss. C'est un thème récurrent chez moi. Olé! Par contre, c'est vrai qu'on fait très très pas mal. Hein. Ouch! On fait vraiment vraiment pas mal. Et le problème va se poser d'un moment qu'il faudra faire plus mal que ça. Si on veut pouvoir avancer. Oh, on en fout partout quoi. C'est visuellement très très beau. On fait quoi? On tente une téléportation vers le chest? Quoi? Non? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mur derrière moi. Et c'était un champion, il m'enlevait un 40. Oh là là. Ouais! Un petit tas de boue, de gelée là, devrait pas pouvoir glisser comme ça. C'est pas naturel. Bon ben. Le cœur, vous savez quoi, je le prendrai après. Histoire de pas risquer de le perdre là contre le boss. Histoire de pouvoir peut-être sauver le deal du prochain étage. Le tir détonateur a pas été le... Oh non, il y a une... Voilà, mort et tout, ces trucs derrière. Oh, c'est pas vrai.
Ouais quoi, c'est lui qui me touche là. Meurs toi aussi. Ah, pas de deal, oh. La surprise qui m'étreint est totalement complète. Cette phrase veut-elle dire quelque chose? Demandez à Camulox, l'ami des bêtes. Allez, 5 bombes pour le prix de pas 5. On va garder le tir détonatoire parce que c'est plus fun. Et on n'a pas eu notre item bombe. Si, allez, on se casse. Et on garde Maggie's Face. Qui nous sauve un peu la vie aussi en nous donnant des cœurs, même si on les perd rapidement. Allez, tous! Ah, oh, mais tous encore! Même pas mal. Hein. Jamais il y a un truc utile là-dedans. Hein. Ça serait trop bien. Il en reste une? Non. J'aurais pourtant... Ah, j'aurais qu'il en restait une. Arrêtez de vous tourner n'importe quand. Vous êtes censé avancer en ligne droite, comme vous voyez. Et uniquement comme vous voyez. The Magician avec tir détonatoire, ça peut être utile, mais pas ici. Ah, mais... Je prends des coups. Oh mais je prends des coups tellement bête. Non mais clairement, c'est moi qui me mets dans les trajectoires. Mais ah, peut-être une pilule utile. Plus utile que le magicien pour être honnête. Bon. Ouais, le run là, je sais pas s'il va aller jusqu'au bout. En tout cas, peut-être, je sais pas s'il va y aller vivant. Pardon. Ça fait 20 minutes que j'ai un bâillement qui veut se passer. Et que je le retiens. Là, je l'ai laissé sortir. Et du coup, j'ai pas tué un seul de ces fantômes encore. Parfait. Alors, donc je reviens sur l'absence de fun de ce run. Vous voyez, on a des larmes sympathiques avec un item actif sympathique. Des ennemis sympathiques au demeurant. Mais on a que des items de merde en fait. Et ça n'en a tué aucun! Ah là là, c'est monstre, c'est les Wizou, ils sont tellement longs à tuer quand t'as pas de dégâts. Allez, meurs oh putain. Eh ben. Putain. Salut sacrifice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De toute façon, j'ai perdu mon deal, c'est débile. C'est une blague. C'est une blague. Oh putain, j'ai pas prévu ça. J'avais pas pensé que j'avais Mega Blast. Enfin, les explosions qui vont super loin, quoi. Ouch. Il va me tuer, putain. He's going to kill me.
Peut-être Shugoin tout me kill tout seul là à ce stade. Mais... Oh là là. Ouh là 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 là. Alors, ce run était trop lent. Non, je vais continuer à jouer jusqu'à avoir au moins une streak de 4, minimum. Après, je ferai peut-être plus que les daily, mais... En attendant, aujourd'hui, c'était la fin de mon magnifique séquence de 2 victoires. Ah ! Allez, à plus.